Hello tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais commencer le 2 weeks shred challenge de Quitting. Et je flippe un peu quoi. J'avais déjà fait le Hourglass Challenge de 28 jours avec elle pendant le mois d'octobre. Dans le challenge de la dernière fois, j'avais surtout vu des résultats au niveau de la définition des muscles sur le ventre et au niveau des fesses. Mais par contre, tout ce qui était perte de graisse, tout ça, il n'y avait rien. Et du coup, ce qui m'intéressait là dans ce challenge-là, j'ai vu qu'il y a du cardio. Moi, je fais jamais de cardio parce que j'aime pas ça. J'aime pas en fait quand, vous savez, le cœur il bat, la gorge elle est sèche. J'aime pas. Oh, elle saute. J'aime pas sauter dans les exercices. 3 sets d'exercices. 7 exercices par série. 5 à 10 secondes. De repos. 5 à 10 secondes. Mais tu fais quoi en 5 à 10 secondes? T'as même pas le temps de te retourner. Et 15 secondes entre chaque série. Non. Je vais pas tout regarder parce que sinon je vais me spoiler toute la vidéo. Hein. Faut quand même un petit élément de surprise. Ok. Bon, du coup, je vous retrouve tout à l'heure. J'ai oublié ce que je voulais dire. Du coup, je vous retrouve tout à l'heure pour la première séance. Alors, bon, du coup, j'ai terminé cette première séance. Alors, le cardio, c'était quand même compliqué. Hein. J'ai été essoufflée très vite. J'ai mal aux jambes. Du coup, là, j'ai prévu de filmer la dernière séance de sport, donc dans 2 semaines. Je suis pressée d'être à ce jour-là, hein, parce que franchement, faire du cardio tous les jours... Du coup, on se retrouve dans 2 semaines. J'ai fini le challenge. Hello tout le monde, du coup je vous retrouve 2 semaines après le commencement du challenge. Là je viens de finir la dernière séance. Alors je suis contente. Et franchement j'ai galéré pendant 2 semaines. Hein. Vous l'avez vu dans le clip précédent. La première séance, horrible. Mal au cœur, mal à la gorge, j'arrivais plus à respirer à la fin. C'était quelque chose, hein, Vous avez vu, vous avez les petits... Depuis que l'iPhone 12 il est sorti, je sais pas si vous voyez les petits points qui bougent dans tout. Ça m'énerve. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, au fil des séances, ça allait mieux, mais je galère tout. J'ai toujours autant galéré, quoi.
Là, je vous ai filmé les premières minutes de la séance d'aujourd'hui. Je suis quand même essoufflée à la fin, j'ai mal à la gorge, toujours. J'ai quand même vu des résultats au niveau de ma taille. Donc je suis censée prendre mes mesures et tout demain matin. Donc je vais vous mettre des images par ici là. Mais j'ai vu que ma taille s'était affinée. Du coup je vais aussi mettre voilà, mes mesures à l'écran. Alors, franchement j'ai bien aimé ce challenge. 2 semaines c'est une durée parfaite, c'est pas trop long, c'est pas trop court. Alors faire toujours les mêmes séances à chaque fois, ça m'a saoulé un moment quoi. Mais je me suis mise à regarder des séries, des vlogmas pendant les séances, du coup pourquoi pas. Je vous conseille de faire ça si vous en avez marre en fait à chaque fois d'écouter les mêmes musiques de coaching. Sinon vous pouvez aussi mettre vos propres musiques. Hein. Je vais commencer un nouveau challenge en janvier 2021, comme ça déjà avec un nouveau challenge. Je vais faire un challenge de Bloggy Lattès, le Pit 28. C'est un challenge qu'elle avait lancé il y a déjà pas mal d'années en arrière. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire parce qu'en fait c'est quelque chose qui a beaucoup de cardio dedans. Là je l'ai remarqué avec le challenge de Chloe Ting. Le cardio c'est pas du tout mon point fort et j'aimerais vraiment m'améliorer sur ce point là. Du coup je me suis dit 2021, cardio tout le temps, cardio tous les jours. Sinon voilà, est-ce que j'ai tout dit? Ouais je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ce challenge ou même le challenge de Bloggy Lattès que je vais faire en janvier. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.